Mon collègue Marc Pernot, qui a beaucoup œuvré pour la catéchèse dans cette paroisse et à qui nous pensons bien évidemment aujourd'hui, avait établi un programme de lecture continue de la Bible pour les enfants. Et donc je me suis inscrit dans la continuité de ce programme, donc d'aujourd'hui jusqu'au mois de juin, lors de toutes les journées d'éducation biblique, nous entendrons le quatrième évangile, l'évangile selon Saint Jean. J'ai retenu pour le culte aujourd'hui, et ce sera d'ailleurs ce texte sur lequel les enfants auront l'occasion d'entendre une prédication à la maison presbytérale de l'autre côté de la rue, j'ai retenu au chapitre 1 les versets 35 à 39. Le lendemain, Jean le Baptiste était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « maître ».« Rabbi, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur la route. Maintenant, les enfants et les moniteurs vont rejoindre la maison presbytérale pendant que nous, les adultes, nous allons chanter le cantique numéro 300, « T'aimer Jésus, te connaître », les strophes 1, 2 et 3, le cantique 300. Je vous invite à vous lever.
Seigneur, il est bon d'écouter sans défaillance ta parole. Mais l'abîme du silence, comme un flot, m'environne. Creuse encore ce grand vide où montera parfois le murmure inlassable de ta voix. Il est bon de guetter sans lassitude ton passage, mais l'attente est solitude et combat sans relâche. Se peut-il que ta grâce me donne un délai pour que je passe tous les jours à renaître dans la paix? Il est bon de chercher avec patience ton visage, mais si grande est la distance jusqu'à l'autre rivage. Se peut-il que tu fasses de cette immensité l'unique espace où s'élance vers toi ma liberté? Le malentendu, le symbole, l'ironie. Trois mots, trois procédés littéraires qui sont fréquemment mis en œuvre dans l'évangile de Jean. Le malentendu. Ainsi, lorsque Jésus déclare à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Et bien évidemment, Nicodème ne comprend pas. Moi non plus d'ailleurs. Ce qui permet à Jésus de reformuler son propos et d'en préciser le sens. Il y a ensuite le symbole qui donne à penser le don de Dieu en introduisant une comparaison. La terre est bleue comme une orange. Eh bien, Dieu c'est comme l'eau vive, c'est comme la lumière, c'est comme le cep et les sarments. Il y a enfin l'ironie. L'ironie qui introduit de la discordance dans le texte. Parce que bien sûr, l'ironie c'est toujours un peu grinçant, même si c'est imperceptible. Et l'ironie, elle permet de s'ouvrir à une lecture ou à une écoute inattendue et décalée. D'ailleurs, le maniement de l'ironie est tel qu'un commentateur du quatrième évangile a pu intituler son livre « L'ironie christique ». Je pense ici à Jean Grosjean, qui fut, avec Michel Leturmy, l'auteur de la traduction du Nouveau Testament dans la bibliothèque de la Pléiade. Et il y a une ironie certaine dans la question que Jésus lance à ces deux hommes qui se sont mis à le suivre. Jean, celui qui baptise, vient de faire l'éloge de ce passant énigmatique et les deux disciples alors lui ont emboîté le pas. Ils veulent en quelque sorte passer d'un maître à un autre. Il est compréhensible, chers amis, d'avoir des maîtres. Nous avons tous eu ou nous avons tous besoin des veilleurs. Il est compréhensible aussi de les quitter, puisqu'ils nous ont éveillés. C'est leur faute et c'est leur gloire. Jean le baptiseur, d'ailleurs, sait qu'il n'est pas la lumière, qu'il n'est qu'un témoin de la lumière. Alors les deux inconnus suivent Jésus, et voilà que l'homme de Nazareth, soudainement, fait volte-face et les interpelle en leur disant « Que cherchez-vous ?» Que cherchez-vous ? Le ton est rude, empreint de brusquerie, prompt à décourager ses interlocuteurs. Il est chargé d'une mauvaise humeur qui vise à maintenir
la distance. Que cherchez-vous ? C'est une manière de dire, pourquoi me suivre ? Ne pouvez-vous pas me laisser tranquille ? Comme si Jésus n'aimait pas qu'on lui force la main. Il y a sans doute en cet homme une indépendance farouche. D'ailleurs, à Cana, pour l'avoir sollicité prématurément, sa mère se fera rappeler à l'ordre de manière particulièrement vigoureuse. Mais il y a aussi un peu de moquerie enjouée à l'adresse de ces deux hommes qui sont en quête d'un magistère. Et Jésus les renvoie un peu avec rudesse parce que sans doute il ne veut pas se laisser enfermer dans un rôle de gourou. Il aurait été tellement facile de faire bon accueil à ces jeunes gens en leur donnant l'assurance qu'avec lui, ils avaient enfin trouvé le chemin, la vérité, la vie, leur offrant à sa suite une voie infiniment supérieure à celle proposée par Jean, le baptiseur, ce prophète en guenilles, ce prédicateur de réveil qui ne cesse d'inviter ses contemporains à la repentance et à la conversion. Non, Jésus n'est pas un gourou qui voudrait endoctriner et manipuler des personnes en situation de faiblesse spirituelle. Il n'a pas de message doctrinal à délivrer, ni de loi nouvelle à édicter. Jésus veut en quelque sorte préserver la liberté de ces deux hommes. Et finalement, cette intonation particulière du Christ, tout enrichie d'une belle liberté, d'une folle indépendance, elle est paradoxalement lestée d'une attention véritable à l'égard de ces deux hommes, deux enfants, sinon perdus, le mot serait un peu fort, du moins incertains, et que Jésus reconnaît errants, comme des brebis sans berger. Non, Jésus ne veut pas les embrigader, mais il les veut libres, libres comme lui-même est libre, vivants comme lui-même est vivant. En les questionnant de la sorte, que cherchez-vous ? Jésus reconnaît le sujet humain comme un être en recherche, car c'est bien à tout homme que le Christ demande « Que cherches-tu ? » Ces quelques versets de Jean sont intemporels, j'ai envie de dire désertiques, puisque le récit, vous l'aurez peut-être remarqué, ne livre aucune indication de lieu ni de situation. Rien n'est dit sur les motivations de ces inconnus. La scène est dépourvue de tout pittoresque, de toute anecdote, comme si elle voulait parler à tout homme, comme si elle voulait parler de tout homme. Ce qui caractérise l'être humain, en effet, c'est sa quête de sens, de plénitude, de vie. Ici et maintenant, j'aimerais convoquer une des grandes figures de la tradition chrétienne. Un homme qui fut d'ailleurs un maître à penser et à croire de Martin Luther. Il s'agit d'Augustin d'Hippone, celui que très souvent on appelle Saint Augustin. Oh, il est très loin de nous. Il vivait en Afrique du Nord au IVe siècle. Mais il est très proche en même temps. Il est quasiment notre contemporain, car cet homme cherchait à donner un sens à sa vie. Il était en quête de vérité, de vie, de bonheur, comme chacun d'entre nous. Et il a relaté l'histoire de cette quête dans une espèce d'autobiographie qui s'intitule « Les Confessions ». Tout un programme. Et à la première page de ce livre, à la première phrase, il s'adresse à Dieu en une formule célèbre, tellement citée, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Oui, Augustin nous parle d'inquiétude, c'est-à-dire du désir qui habite l'homme et qui le pousse à chercher. L'homme est un être de désir, le sujet est désir, il cherche son lieu, sa place, son rôle dans le grand théâtre du monde, dans cette existence où nous avons débarqué un jour sans aucune préparation. Et le désir constitue le ressort
de la recherche humaine, son moteur en même temps que sa boussole. Et voilà, le désir, il est à géométrie infiniment variable. Et il s'agit parmi tous les désirs qui sollicitent le cœur de reconnaître le vrai, car il existe souvent un fossé entre le désir et la vérité, laquelle, finalement, en dernier ressort, s'identifie avec Dieu. Il faut trouver un fil d'Ariane pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de l'existence où le désir trop souvent s'égare. Eh bien, ce fil, c'est précisément l'inquiétude. On ne peut pas rester sans désirer. Mais tant que le désir n'a pas atteint son véritable bien, qui n'est autre que l'absolu, il est tenaillé par l'inquiétude, déséquilibré, sans repos, et donc relancé dans sa quête. L'inquiétude, elle porte la marque d'une double polarité, l'une qui est très négative, l'autre qui est positive. Parce qu'en négatif, l'inquiétude est un dérangement. Elle nous interdit de nous arrêter en chemin, elle nous interdit d'oublier le but, elle nous déloge de nous-mêmes, elle est inconfortable. Mais en positif, elle est exigence d'authenticité, en ce qu'elle garde au cœur du désir, l'aspiration à un accomplissement. Cette inquiétude, elle est un aiguillon. Elle nous pousse, elle nous relance vers un terme qui nous échappe, mais dont on sent bien quand même qu'il finira par nous combler. Oui, l'inquiétude, c'est le signe d'un déchirement qui divise l'homme entre ce qu'il est et ce qu'il aspire à être, entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde et Dieu. L'être humain, oui, est un chercheur de sens. Les deux inconnus de l'évangile de Jean l'étaient, Augustin l'était aussi, et aujourd'hui, cette problématique, elle demeure. Je rencontre fréquemment des personnes qui manifestent de la réserve, voire de la défiance vis-à-vis des églises, des religions, des croyances, mais qui, en revanche, n'hésitent pas à évoquer le terme de spiritualité ou de recherche spirituelle. Ils ont parfois été éduqués dans la foi chrétienne. En grandissant, ils ont pris leur distance, et c'est toujours possible. Ils ont été parfois attirés par d'autres propositions, cherchant des réponses à leurs questionnements et aux désirs de leur cœur. Ils ont souvent réussi dans la vie, comme on dit, mais en eux demeure une soif, une attente. Ils ne sont pas anesthésiés par le succès, par les biens, par le pouvoir, et ils s'efforcent de découvrir par eux-mêmes les significations qui pourraient donner du sens à leur vie. Leur démarche, elle est individuelle, fondée sur des choix et assumée au fil d'expériences personnelles. Et pour résumer cette démarche très caractéristique de notre temps, une sociologue des religions a employé le terme de pèlerin comme figure typique de l'être contemporain en quête de sens. Et cette quête, elle peut déboucher sur une expérience de Dieu qui va réorienter l'existence de celui qui en bénéficie. Oui, ces deux hommes, des fils d'Israël, qui ont d'abord écouté le Baptiste et puis qui ont entrepris de suivre Jésus, sont des pèlerins. Et en leur demandant « Que cherchez-vous ?», Jésus, en cet instant précis, se met à l'écoute de leur désir le plus profond. Oui, on présente souvent ce récit comme celui d'une vocation. C'est vrai. Mais ici, la vocation ne prend pas d'abord la forme d'un appel impérieux, d'un ordre « Suivez-moi !» Non, ici, la vocation est d'abord une question. Que cherchez-vous ? Jésus ne convoque pas, il sonde les profondeurs du cœur de l'homme en l'invitant à s'interroger sur ce qu'il habite au plus intime de soi. Et ici, j'aimerais introduire un plaidoyer en faveur de l'intériorité. Car la vérité de l'existence, elle est logée au cœur de chacun d'entre nous. L'intériorité, c'est finalement le lieu secret, le sanctuaire où habite la vérité, plus intime
que l'intime de moi-même. C'est un monde complexe où le conscient et l'inconscient cohabitent, un monde fait de sensations, de sentiments, d'émotions, de souvenirs, de pensées, un monde qu'il faut explorer. Ce qui faisait d'ailleurs dire à Augustin, toujours dans les Confessions, que les hommes n'hésitent pas à courir le monde pour admirer les montagnes, les fleuves, les océans, mais qu'ils passent à côté d'eux-mêmes. Oui, appeler à s'interroger, convoquer à l'intériorité, voilà où en sont les deux inconnus de l'Évangile. Et c'est alors qu'ils se tournent vers le Christ pour lui demander « Maître, où demeures-tu ?» Et on voit à ce moment-là que l'ironie du Christ a joué son rôle. Jésus questionne ceux qu'il rencontre, les fait entrer dans un dialogue afin de les conduire, afin de nous conduire à un pèlerinage aux sources de l'intériorité, aux sources de la vie, la vraie. Oui, taraudés par la question de Jésus, ces hommes sont maintenant capables de rentrer en eux-mêmes, de mettre des mots sur leurs désirs, de transformer en paroles ce qui les habitait confusément. Et leur question, elle est révélatrice de leur désir. Maître, où demeures-tu ? Il y a en eux le désir d'une demeure, une aspiration à la stabilité. Ce sont des pèlerins, mais enfin, ils aimeraient bien trouver un havre, un lieu de repos. Quel est d'ailleurs ce lieu véritable où le sens, la sécurité, la plénitude peuvent être trouvés ? De quelles croyances, de quels repères avons-nous besoin pour vivre ? Car bien sûr, ce mot de demeure, il est à plusieurs sens. La demeure, c'est le lieu où réside une personne, c'est l'habitation, la maison. Mais ce mot peut revêtir aussi une toute autre dimension du point de vue existentiel. La demeure, c'est aussi le fondement de mon existence d'être humain, cette assise intérieure qui fait que je suis moi et que je suis bien. Dans le registre de l'intériorité, c'est le lieu où je suis pleinement présent à moi-même et où je peux accueillir les autres à mon tour, car bien évidemment la demeure, elle est aussi ouverture à l'extérieur parce qu'elle a des fenêtres et des portes. Si cette demeure intérieure est un sanctuaire, elle n'est pas pour autant un bunker. Et dans le même mouvement, alors les deux hommes explicitent un peu plus leur désir. Ils veulent être avec ce Jésus qu'on leur a désigné. Ils ont le pressentiment qu'avec lui, ils seront bien. D'ailleurs, ils lui décernent déjà le titre de maître, de rabbi. Ils ont envie de se donner à lui, d'en faire leur maître, de trouver auprès de lui la réponse aux questions qu'ils se posent, de trouver auprès de lui la vie de paix et de communion à laquelle ils aspirent. Et à ce moment-là, tombe la réponse du Christ, « Venez et voyez ». Là encore, Jésus ne se lance pas dans un grand discours pour inviter ses interlocuteurs à demeurer en lui comme lui-même demeure dans le Père. Non, Jésus les invite à se mettre en route, à le suivre. Et à ce moment-là, Jésus se révèle comme celui qui déroute et qui déconcerte. Ces hommes sont en quête de repos, eh bien Jésus les remet en marche. Ils rêvent d'une maison, d'une demeure, Jésus les jette en chemin. Pour trouver le lieu de leur repos, ils doivent d'abord se priver de repos. Oui, j'aimerais dire qu'en cet instant précis, Jésus se révèle comme le maître de l'empirisme, de l'expérience. Il les renvoie, il les invite à faire l'expérience. Si tu veux savoir où demeure Jésus, tu ne peux finalement le découvrir qu'en te mettant à sa suite. C'est la vie en Christ et elle seule qui peut nous permettre d'accéder à la connaissance du Christ. Ici, l'enseignement de l'histoire de Jésus, les énoncés de la foi en Christ ne servent à rien.
Si tu veux connaître le Christ, tu ne peux le découvrir qu'en vivant en lui, qu'en intériorisant son évangile, car la vérité du Christ, elle est toujours intérieure à notre vie. Je crois parce que je vis et parce que cette vérité du Christ, elle n'est pas extérieure à mon existence. Si tu veux croire en Jésus, commence par faire quelque chose en son nom, disait encore Albert Schweitzer au sujet de Jésus. Eh bien, venez et voyez. C'est en se mettant en route à la suite de Jésus, en se mettant à l'écoute de sa parole, en la mettant en pratique sur le chemin de sa propre vie, qu'un être humain peut découvrir qui est Jésus. Et ce n'est pas « venez et ensuite vous verrez ». Non, c'est en marchant qu'on voit, c'est « venez et voyez ». C'est sur la route de la vie que s'ouvrent les yeux de la foi. D'ailleurs, l'évangéliste se garde bien de nous dire ce que les disciples ont vu. Celui qui reçoit l'évangile aujourd'hui, comme nous le faisons, doit combler lui-même ce non-dit au cœur même de son existence. Tout comme l'évangéliste se garde bien de désigner le lieu où demeure Jésus, c'est aux croyants de le découvrir tout au long de son pèlerinage intérieur. Oui, frères et sœurs, la foi et la vie sont intrinsèquement liées. La connaissance et l'action, la foi et la pratique se nourrissent mutuellement et entraînent le croyant dans une spirale ininterrompue, un mouvement perpétuel. C'est ce que l'évangéliste Jean récapitule sous le terme de vie éternelle qui conduit le disciple de Jésus de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin, comme l'écrivait Grégoire de Nyssa. Oui, chers amis, au commencement des commencements, deux inconnus allèrent, virent et demeurèrent auprès du Maître avant de repartir pour de nouvelles étapes. Ces deux hommes sont des archétypes de l'existence croyante. Nous sommes à la fin de leur histoire, mais je reviens alors au début pour conclure. J'ai évoqué Jésus, j'ai évoqué les deux inconnus, je n'ai rien dit de Jean-Baptiste. Il a pourtant son rôle à jouer, c'est un témoin. Il a quelques longueurs d'avance sur ses disciples. Il désigne Jésus, il le montre du doigt, c'est un indicateur. Tel d'ailleurs il est représenté sur le retable d'Issenheim, l'index démesurément allongé en direction du crucifié. Il semble dire « Voyez, voyez cet homme », confirmant ainsi la recommandation du Christ. Et puis, à ce Jésus, il donne un titre « Voici l'agneau de Dieu ». Jean le Baptiste prend la parole, il interprète, il ouvre des pistes de compréhension, des pistes seulement, car ce n'est pas un discours sur la foi qui permet à lui seul d'entrer dans la connaissance de Jésus. Ouvrir une piste, c'est permettre à d'autres de tracer leur propre chemin. Oui, Jean est un tiers entre Jésus et les disciples. Il est un témoin. Il est l'homme qui incite l'autre à faire l'expérience parce qu'il a lui-même fait l'expérience. Mais il ne peut faire l'expérience à sa place. Oui, au témoin, on donne ou on refuse sa confiance. Les témoins sont nécessaires, mais pas suffisants. En tout cas, Jean, il inaugure un passage de témoins d'un croyant à l'autre, d'André à Simon, de Philippe à Nathanaël. Et ensuite, bien d'autres viendront, Nicodème, l'aveugle-né, le paralytique, la Samaritaine. On aura l'occasion de les évoquer. Et enfin, l'auteur de l'Évangile lui-même, témoin de la Passion et de la Résurrection de Jésus. Oui, ceux qui ont été appelés, s'ils ont accepté de répondre à l'appel intérieur, s'ils ont fait l'expérience, eh bien, à leur tour, ils peuvent devenir des appelants. Ainsi de l'auteur de la première lettre de Jean, qui écrit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché de la parole de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi se noue jusqu'à ce jour, jusqu'à ce matin, la longue chaîne des témoins. Alors, frères et sœurs, qu'attendons-nous pour aller et pour voir ? Amen.